So, Gérard, vous me surprenez en pleine séance de travail. Qu'est-ce qui vous amène? Désolé, Alexei, mais votre vodka devra attendre. Regardez ça. Je suis au courant pour les ergues. Nous avons tous vu les enregistrements. Vous n'avez encore rien vu, Alexei. Disséquer un cadavre de Zerg à l'abri dans un laboratoire, ce n'est pas bien difficile. Le voir aux prises avec l'espèce humaine, c'est autre chose. Avez-vous bien réalisé qu'une fois parti, nous ne pourrons plus faire machine arrière? Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, Alexei? Oui, Gérard. Je suis prêt. Je savais que je pourrais compter sur vous, Alexei. Amiral, les colons ne tiendront plus très longtemps. La base va tomber. Faut-il intervenir? Bien, nous en avons assez vu. Monsieur Scott, mettez-nous en orbite. Salutations, exécuteur. Bien que la perte du puissant Asadar nous affecte tous, nous devons trouver la force de poursuivre le combat. Il s'est sacrifié pour détruire le maître esprit, mais de nombreux ergues s'acharnent encore sur les ruines de notre monde. Sans le conclave pour nous diriger, ni nos puissantes flottes pour nous protéger, nous allons devoir nous débrouiller seuls. Aldaris dit vrai, exécuteur. Les ergues ne cesseront pas leur saccage avant d'avoir massacré tous les nôtres. Je propose que nous gagnions le dernier de nos portails encore opérationnels, afin de nous replier là où ils ne nous suivront pas. Avec tout le respect que je vous dois, Zeratul, les Protoss ne fuient pas devant l'ennemi. Aiur est notre terre natale. Nous devons rester et la défendre. Comme l'a fait votre conclave, Aldaris. Celui dont tous les membres sont morts, aveuglés par leur orgueil. Ce n'est qu'en tirant les leçons de leurs erreurs que nous pourrons survivre et espérer les venger. Exécuteur, je sais où trouver un refuge. Sur Shakuras. La planète secrète de mes frères Templiers Noirs. Vos frères? Mais ils nous considèrent comme des tyrans. Pourquoi nous offriraient-ils l'asile? Ne me suis-je pas moi-même rallié à votre cause? Nous ne sommes pas tous aussi inflexibles que votre regretté conclave, Aldaris. Vous avez raison. Exécuteur, Zeratul nous permettra d'accéder au portail. Une fois la zone sécurisée, Félix et Ardanis, notre nouveau prêteur, mèneront les survivants jusqu'à Shakuras. Exécuteur, je suis Ardanis. Même si je n'ai été nommé prêteur que récemment, vous pouvez compter sur moi pour faire respecter l'honneur et les traditions des Templiers. Nous vous verrons à l'œuvre. Hé les gars, ça vous ennuie si on vous accompagne? Non pas qu'on ait forcément envie de voir du pays, mais... ça pourra pas être pire que de rester coincé ici avec les ergues. Commandant Raynor, votre aide sera toujours la bienvenue. Nous serions honorés de vous avoir à nos côtés.
devrions détruire ces canaux de Nidus afin de juguler l'afflux de renforts Zerg. Il en soit ainsi. Il n'y a pas de temps à perdre. Rejoignons les nôtres sur le champ de bataille. C'est tout ce qu'il reste de nos troupes dans cette province. Nous avons localisé le portail, mais une importante colonie Zerg nous en bloque l'accès. Qu'il en soit ainsi. Docteur, j'ai trouvé le portail. Nous devons faire vite et évacuer les canailles survivants avant le retour des Zerg. Exécuteur, occupez-vous de leur faire traverser le portail. Avec Phoenix, nous allons assurer vos arrières, le temps que tout le monde soit passé. Entaro Tassadar, exécuteur. Les survivants d'Aiur ont franchi le portail sains et saufs. En revanche, dans le chaos de l'évacuation, nous avons perdu le contact avec Phoenix et Raynor. J'ai peur que les Zerg ne les aient débordés. Soyez sans crainte, Artanis. Phoenix est le plus indéfectible des guerriers qui soit, et le Terran Raynor a déjà démontré sa surprenante capacité à ne jamais manquer de ressources. Je ne doute pas qu'il soit parvenu à emprunter le portail en sécurité. Mais en attendant de recevoir de leurs nouvelles, nous devrions reconnaître le secteur et trouver un emplacement où nous établir. Lorsque nous serons installés, nous pourrons partir en quête des Templiers Noirs. Pour Adun. L'honneur est mon guide. Je sais. Exécuteur, il y a des Zerg sur Shakuras. Ils ont dû reprendre le contrôle du portail d'Aiur. Zeraj Gulio, Nerma, Zeraj Gulida. Adun Torida Zeratul. Quel plaisir de vous voir de retour parmi les vôtres, après de si longues années. Les êtres qui vous ont suivis jusqu'ici, en revanche, semblent plutôt du genre belliqueux. Plaisir partagé, mon frère. Ces créatures appelées Zerg n'éprouvent aucun respect pour le caractère sacré de la vie. Lorsque nous aurons fini de sécuriser la zone, je réunirai le conseil et vous dirai tout ce que je sais d'elle. Je suis certain que la matriarche sera elle aussi impatiente d'entendre votre histoire. Exécuteur, nous avons reçu un message en provenance de Phoenix et Raynor. Ils sont en vie et luttent pour reprendre le contrôle du portail d'Aiur. Nous devons sans plus tarder sécuriser le passage de ce côté. Oui. Aucune trace de Phoenix ou de Raynor. Sans doute sont-ils encore sur Aiur. Exécuteur, je vais rester avec mon équipage sur Aiur pour y condamner le portail. C'est le seul moyen de s'assurer que les Zerg n'envoient plus aucun renfort sur Shakuras. C'est sans espoir, ils vous sont très supérieurs en nombre. Et si vous fermez le portail, personne ne pourra plus vous venir en aide. Disons que je suis un homme d'action. On se refait pas. Je vais également rester avec Raynor, exécuteur. Mon devoir est avant tout de servir Aiur. Adieu, brave guerrier. Nous vous enverrons autant de renforts que possible. Merci. Et vous, soyez sages, d'accord? Allez, souhaitez-nous bonne chance.
Je suis Ra's Zagal, matriarche des Templiers Noirs. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre monde, à vous et à vos compagnons. Zeratul m'a informé de la chute d'Aïur, qui m'a profondément peiné. Je fais partie des rares Templiers Noirs assez âgés pour avoir conservé des souvenirs précis de notre foyer ancestral. Dans des circonstances pourtant tragiques, le destin a voulu que notre peuple soit de nouveau réuni. Nous, les Templiers Noirs, n'oublierons jamais notre bannissement d'Aïur, ni les péchés du Conclave à notre encontre. Mais vous et vos compagnons n'en faites plus partie. Et par son exemple, Tassadar, votre héros tombé au combat, vous a montré qu'en unissant les deux facettes de nos énergies, nous disposions d'une puissance considérable. Cependant, matriarche, les Zergs qui nous ont suivis jusqu'ici sont des adversaires bien plus redoutables que tous ceux que les Protoss n'ont jamais affrontés. Vos paroles sont empreintes de vérité, Judicateur. Pourtant, cette planète abrite un pouvoir qui pourrait nous aider à débarrasser Shakuras de la présence des Zergs à jamais. Il y a bien longtemps, alors que les Templiers Noirs étaient un peuple nomade, nous avons découvert un monument sans pareil sur cette planète et décidé de nous y établir pour l'étudier. Nous savons à présent que cette gigantesque structure est un ancien temple Xel'Naga, érigé en l'honneur de ceux qui nous ont tous engendrés. Le temple se situe au confluent de puissantes énergies cosmiques. Si nous pouvions avoir accès à ces énergies... Alors nous devons frapper au plus vite, avant que les Zergs aient rassemblé plus de force. Hélas, c'est impossible. La canalisation des énergies du temple ne peut se faire sans les cristaux jumeaux Urage et Calice, dont la légende dit qu'ils ont été séparés il y a de nombreuses générations. Urage est baigné des énergies pures des Templiers, tandis que Calice est empreint de celles des Templiers Noirs. Seule une utilisation de ces cristaux à l'unisson permettrait de maîtriser les puissantes énergies du Temple. Alors nous n'avons d'autre choix que de retrouver ces cristaux, où qu'ils soient. En effet. Mais avant tout, nous devons éradiquer les Zergs et leurs deux cérébras, déjà implantés à proximité du Temple lui-même. Aux armes, mes enfants! Purgez notre sol de cette contamination! Rappelez-vous, jeunes Templiers, que seules les armes et les énergies des Templiers Noirs peuvent venir à bout des cérébras. Mes frères vont se charger d'éradiquer ces abominations zergues. Exécuteur, d'après nos capteurs, les cérébras sont protégés par des sporuleurs mucigènes. Nous allons déployer nos corsaires pour contrecarrer leur défense. Adun Toridas. Écoutez, les cérébras que vous avez éliminés étaient également mes ennemis. Et si vous me laissez vous expliquer, je suis sûr que vous comprendrez que... Vous êtes l'ennemi de toute forme de vie, Kerrigan. Qu'auriez-vous à dire qui pourrait nous intéresser? J'apporte des informations sur un péril qui nous menace tous, Zeratul.
Si vous aviez l'amabilité de m'escorter jusqu'à votre citadelle, je vous dirais tout ce que je sais. Soit, Kerrigan. Nous allons vous écouter. Mais soyez prévenus, aucune trahison ne sera tolérée. Eh bien, Kerrigan, peut-être vaudrait-il mieux que vous vous expliquiez. Quelle est cette nouvelle que vous souhaitiez nous livrer? Un nouveau maître esprit se développe sur Charon. Quoi? Mais c'est impossible. Pourquoi nous croirions-vous? Parce que, Zeratul, je ne suis plus la meurtrière sous influence que vous avez combattue sur Char. Le maître esprit est mort, et quelle que fût son emprise sur moi, j'en suis à présent totalement libérée. Je sais que tout cela est difficile à accepter, mais vous devez me croire. Les enjeux dépassent de loin. Elle ment. Son allégeance aux airs ne fait aucun doute. Je refuse d'en entendre. Silence, judicateur. Continuez, Kerrigan. Apparemment, plusieurs des cérébras renégats sous le commandement de Dagoth ont fusionné pour former un nouveau maître esprit. Par chance, la créature n'en est qu'à son stade de développement et ne peut pas encore contrôler l'ensemble de l'essaim. Mais la majorité des couvées obéissent déjà à Dagoth et ses renégats, auxquels appartenaient les deux que vous avez tués. Inutile de vous dire ce qui se passera si cette chose arrive à maturité. Lorsqu'elle s'éveillera, elle exercera de nouveau sa totale emprise sur moi, comme ce fut le cas avec la précédente. Je n'ai aucune envie que cela se reproduise, et je pense que vous non plus. Même si ce que vous dites est vrai, notre priorité reste la sauvegarde de cette planète, pas ce nouveau maître esprit. Nous devons trouver les cristaux Urage et Calice avant d'être tous anéantis. Dans ce cas, j'aiderai aux recherches. En éradiquant les Zergs renégats rassemblés ici, vous porterez un sérieux coup à l'entreprise de Dagoth et ses sbires. Mes enfants, vous devez faire abstraction de vos peurs et de vos appréhensions pour vous focaliser sur la tâche à accomplir. Kerrigan vous assistera sur le terrain. Bien qu'elle fût votre ennemie, nous partageons aujourd'hui des intérêts communs. Laissez-lui le temps de faire ses preuves, et peut-être découvrirons-nous en elle une alliée de poids. Seule notre mission compte à présent. Partez à la recherche d'Urage sur la planète Braxis, et ne laissez personne vous empêcher de rapporter le cristal. L'on sera fait selon vos ordres, matriarche. N'espérez pas, en revanche, que nous lui pardonnions les crimes commis contre les nôtres. Exécuteur, préparez nos troupes. Nous devons débarquer sur Braxis avant le prochain lever de lune. Nous n'avons rien fait de tel. Autrefois, ce monde était une colonie protos appelée Pirador. Lorsque les conflits entre nos tribus se sont accentués, la planète et le cristal autour d'eux étaient abandonnés. Les Terrans ne sont arrivés que récemment. Il en sera fait ainsi. Le cristal. Envoyez une sonde le récupérer et le tour sera joué. Beau travail, Kerrigan. Vous semblez valoir mieux que je le pensais. Peut-être vous ai-je mal jugé. Compte tenu de notre passif, je peux difficilement le reprocher. Mais concentrons-nous sur l'objectif. Hé,
Exécuteur, nos capteurs indiquent la présence d'un important groupe de vaisseaux Terran à proximité. Sa configuration est tout à fait inhabituelle. Nous recevons une transmission en provenance de leur vaisseau de commandement, l'Alexander. Commandeur Protoss, je suis l'amiral Alexei Stukov du Directoire de la Fédération Terrienne. Nous sommes venus pour assurer le contrôle de l'ensemble du Dominion Terran et de ses colonies. Vous violez notre espace aérien et avez délibérément attaqué des troupes Terran. Désactivez vos boucliers et vos systèmes d'armement. Au nom du DFT, nous allons réquisitionner vos vaisseaux ainsi que les différents biens que vous avez dérobés sur cette planète. Le Directoire de la Fédération Terrienne. Raynor a fait mention d'une planète lointaine dont les siens sont issus, la Terre. Ces humains ont entrepris un long périple pour venir nous déclarer la guerre. Gardez la foi, Zeratul. Vous semblez presque craindre ces humains. Mais qu'aurions-nous à leur envier? Ne sommes-nous pas ceux qui ont vaincu le Maître Esprit? En effet, Artanis. Nous avons bien terrassé le Maître Esprit. Mais nous l'avons fait avec l'aide des humains. Ne soyez pas si prompt à les sous-estimer. Vous avez raison. Exécuteur, je vais mettre la résolution de ces humains à l'épreuve. Je pars en éclaireur pour tenter de trouver un moyen de forcer leur blocus. Entaro Tassadar. Exécuteur, nous avons détruit le générateur de cette plateforme et ainsi neutralisé ses tourelles lance-missiles. Cependant, nous allons avoir besoin de renforts pour mener à bien notre mission. Nous vous envoyons des renforts, jeune Templier. Pour Aiur. Exécuteur, le cristal Urage est en sécurité, et le DFT a cessé de nous poursuivre. Nous sommes actuellement en orbite autour de Char. Zeratul, êtes-vous certain que Kallis se trouve bien ici? Oui, je me rappelle avoir ressenti sa puissance lors de ma précédente venue sur ce monde. Nos capteurs indiquent cependant d'importantes fluctuations énergétiques à son emplacement. Mais... je ne parviens pas à en identifier la source. Cela ne fait aucun doute, messieurs. Cette source n'est autre que le Maître Esprit. Lorsque les Cérébras ont décidé de fusionner, ils auront certainement choisi de s'implanter au plus près des énergies de Kallis. Il est d'ailleurs fort probable que la zone soit protégée par de nombreuses couvées. C'est risqué, mais si nous frappons vite et fort, nous pourrons peut-être franchir leur défense et repartir avec le cristal. Chers camarades, puis-je suggérer une autre stratégie? Puisque le Maître Esprit est encore dans un stade précoce de son développement, sans doute pourrions-nous briser le contrôle qu'il exerce sur les couvées. En lui infligeant assez de dégâts superficiels, nous devrions parvenir à rendre inoffensifs les ergues les plus proches, et ainsi nous emparer du cristal. Un plan audacieux, jeune Artanis. Votre courage rivalise avec celui du puissant Tassadar lui-même. Vous me faites trop d'honneur, noble Zeratul. Je ne suis même pas digne de prononcer son nom. Comme c'est touchant. Ces deux approches peuvent sans doute fonctionner, mais il n'y a plus de temps à perdre. J'exercerai ce qu'il me reste d'emprise sur les ergues et participerai au renfort. Plus nous tergiversons, plus les cristaux risquent de nous échapper de nouveau. En effet. Exécuteur, déployez vos troupes. Kadun soit avec vous. Prépare-toi.
Exécuteur, Kallis est désormais en notre possession. Quittons cette planète de malheur et regagnons Chakuras, si tant est qu'elle existe toujours. Félicitations, Exécuteur. Nous bénéficions désormais d'un avantage certain face aux Zergs. Malheureusement, nous devons faire face à une nouvelle menace, au sein même de nos rangs. En votre absence, le Judicateur Aldaris, ainsi que toute une légion de survivants Kalaï, se sont ouvertement rebellés contre nous. Par tous les dieux, quelle terrible nouvelle! Mais pourquoi une telle trahison de la part d'Aldaris? Ils estiment que c'était une erreur d'abandonner Aiur et de s'allier à votre peuple. Leurs préjugés les ont conduits à répéter les péchés du Conclave. En ce moment même, Aldaris et ses loyalistes se préparent à attaquer notre citadelle. Je n'arrive pas à le croire, comme si nous n'avions pas assez à faire avec les Zergs. Matriarche, êtes-vous sûr de ce que vous avancez? Bien trop certaine, hélas, jeune Templier. Exécuteur, en tant que matriarche des Templiers Noirs et gardienne de cette planète, je vous ordonne d'éliminer le Judicateur Aldaris et de réprimer cette révolte sur le champ. Nous ne pouvons tolérer aucune dissidence dans nos rangs, alors que les Zergs sont sur le point de frapper. La situation est préoccupante. La matriarche a toujours incarné la sagesse et la bienveillance, et bien que sa décision présente un certain mérite, elle ne lui ressemble pas. Vous avez raison. Quoi qu'il en soit, il nous faut à présent tuer un ami. Puisse Adun nous pardonner. Attention, exécuteur. Nos forces sont divisées. Aldaris a pris le contrôle de nos guerriers et de nos arbitres. Il est même possible qu'il envoie des archontes contre nous. N'ayez crainte, mes frères. Nous aussi pouvons créer des archontes. Si la situation l'exige, tous les Templiers Noirs peuvent fusionner pour se transformer en archontes noirs. Même si la fusion implique des sacrifices, seule la puissance des archontes noirs est à même de rivaliser avec celle des troupes d'Aldaris. Nous ne faisons qu'un. Si facilement, exécuteur. Ce que vous avez détruit n'était qu'une illusion. Joignez vos forces aux nôtres afin d'éradiquer les Zergs. Plutôt mourir que trahir la mémoire d'Aiur en me joignant à vous, Templiers Noirs. Vous avez scellé votre destin à l'instant où votre matriarche s'est allié à la Reine des Lames. Ceux qui restent fidèles à Aiur n'accepteront jamais de devenir les esclaves de Kerikan et de ses couvées. Aldaris, soyez raisonnable. Kerigan a changé. Elle ne cherche plus à réduire qui que ce soit en esclavage. Ne nous obligez pas à vous tuer. Comment pouvez-vous être aussi naïf, Artanis? Pendant que vous étiez à la recherche du cristaux jumeaux, j'ai découvert que votre matriarche cachait un terrible secret. Elle a été manipulée par... Nous n'avons pas de temps. Kerigan, qu'avez-vous fait? Nous l'avons
désordre dans vos affaires, Protoss. Inutile de jouer les effarouchés. Misérable créature. Comment osez-vous interférer? Cette affaire ne concerne que les Protoss. Quittez cette planète immédiatement. Vous n'êtes plus la bienvenue. Soit. J'ai obtenu ce pourquoi je suis venu. J'ai veillé à la destruction des Cérébras renégats, et je me suis servi de vous pour ce faire. Amusez-vous bien, puissant Protoss. Nous nous reverrons très bientôt. Cette succession d'événements tout entière a été orchestrée par Kerrigan. Elle nous a manipulés. En effet, Artanis. Cependant, cela ne change rien à notre décision. Utiliser les énergies du temple contre les Ergues renégats sert peut-être les desseins de Kerrigan, mais c'est également notre seule chance de survie. Et nous survivrons, mes guerriers. Trop longtemps, nous avons consumé nos forces en une vaine défense contre nos ennemis, nous éloignant toujours plus de la victoire. L'heure est venue de déchaîner nos pouvoirs dans toute leur fureur. Jamais plus le sol de Shakuras ne sera souillé par la présence de viles créatures. Que ces ergues soient les premiers à succomber par notre main. Matriarche, je suis à votre service depuis des millénaires. J'ai toujours admiré votre sagesse et votre force, mais dernièrement, j'ai perçu comme un voile qui obscurcissait votre jugement. Et bien que Kerrigan soit parti, je redoute que sa perfidie œuvre toujours. Soyez rassurés, Zeratul. Je suis bien la Razagal que vous avez toujours connue. Les récents événements m'ont beaucoup affecté et prélever sur moi leur lourd tribut. Mais soyez sans crainte. Mon esprit guerrier continuera de briller, et je vous guiderai vers la victoire. Certes. Le temps est venu de passer à l'action. Nous devons apporter les cristaux au temple tant que les Ergues rassemblent encore leurs forces. Je me chargerai d'Urage, les Zeratul de Kalis. Exécuteur, fournissez des escortes à Artanis et Zeratul tandis qu'ils progressent vers le temple. Si les dieux le veulent, nous canaliserons les énergies d'Exelnaga et débarrasserons cette planète de la présence des Ergues. Allez, mes enfants, la survie de notre race tout entière dépend de vous. Tandis que vous transporterez les cristaux, les Ergues vont certainement envoyer leurs légions tenter de vous éliminer. Veillez également à protéger le temple Xel'Naga des assauts de l'essaim. Il en sera fait, Zeratul. Zeratulda. Ce sera fait. Le cristal Urage est en place. Le cristal Kalis est en place. Exécuteur, Zeratul et moi allons entamer le processus de canalisation des énergies. Vous devez à tout prix empêcher les Ergues de détruire le temple. Kadun soit avec vous, exécuteur. Des énergies touchent à son terme. Que toutes nos forces se réfugient à l'intérieur du temple. Nous subissons une attaque. Thank you.
aide de camp connectée. Bonjour, capitaine. Notre long voyage depuis la Terre touche à son but. Nous sommes en position stationnaire aux frontières du Dominion. J'espère que les effets de la stase cryogénique se sont à présent dissipés. Dans le cas contraire, l'officier médical vous fournira un supplément de cryostim. L'amiral Dugal a adressé une déclaration solennelle à l'ensemble de la flotte. La voici. Défenseur du directoire de la Fédération Terrienne, votre attention. Ici l'amiral Dugal. Vous avez tous reçu les détails de notre mission avant votre départ de la Terre. Et n'ignorez donc pas que nous sommes ici pour conquérir ce secteur au nom de l'humanité. Si l'un d'entre vous nourrit le moindre doute ou hésite à accomplir son devoir, qu'il se rappelle que si nous échouons, aucun d'entre nous ne reverra jamais son foyer. Nous vaincrons ensemble ou périrons sur cette maudite planète. Servez le directoire. Servez l'humanité. Rien n'importe plus que la victoire. Dugal. Terminé. Fin du communiqué. Nous recevons une transmission. Bonjour, capitaine. Ici le vice-amiral Stukov, conseiller tactique de l'amiral Dugal. Je constate que vous avez déjà pris connaissance de sa déclaration et présume qu'elle ne présente rien de bien nouveau pour vous. Quand vous connaîtrez mieux l'amiral, je suis persuadé que vous l'apprécierez. Quoi qu'il en soit, j'ai des ordres à vous communiquer. Afin de préparer au mieux l'invasion du Dominion, nous devons nous infiltrer dans ses bases de données et en extraire le maximum d'informations relatives à ses systèmes de défense et d'armement. Vous disposez de 2 heures pour déployer vos troupes sur Braxis, une des planètes de la périphérie, et prendre le contrôle de sa capitale, Boralis. Capitaine, l'amiral attend de vous une réussite totale. Stukov, terminé. Indiquez-moi la cible! Bien compris! Tout de suite! Le lieutenant Samir Duran des forces de la Résistance Confédérée. J'ai assisté à votre attaque contre le Dominion et j'aimerais vous offrir mes services en échange d'une amnistie. Voilà qui est étonnant. Bien que vous ignoriez tout de notre identité et de nos motivations, lieutenant, vous souhaitez malgré tout rejoindre nos rangs. Mes hommes et moi-même avons juré de combattre le Dominion et son empereur. En voyant le sort que vous réserviez à leurs troupes, j'ai pensé que nous partagions le même but. Je vois. Et en quoi pourriez-vous nous être utile? Eh bien, je connais parfaitement la région. Je pourrais vous guider sur un chemin qui contourne la base principale du Dominion, afin de la prendre d'assaut à revers. Soit, lieutenant. Considérez-vous comme les premières recrues coloniales du directoire de la Fédération Terrienne. Capitaine, veillez à assurer au lieutenant notre entière collaboration. Voyons s'il sait se montrer à la hauteur. Sont à présent hors d'usage. Nos équipes tactiques vont pouvoir commencer à décrypter les codes de sécurité du Dominion. Nous recevons une transmission.
Capitaine, le vice-amiral Stukov m'a informé de vos exploits sur Braxis. Grâce à vous, notre campagne débute par une victoire déterminante. Nos équipes tactiques ont décrypté les codes de sécurité du Dominion et ainsi pu accéder aux fichiers les plus secrets de Mengsk. Il nous reste toutefois encore beaucoup à accomplir. Nous avons découvert l'emplacement des arsenaux de Dilarion. C'est là que le Dominion répare et ravitaille ses vaisseaux. En ce moment même, plusieurs de ses cuirassés y sont amarrés. Afin d'éviter que notre mainmise sur ce secteur ne soit contestée, vous allez devoir prendre ces arsenaux d'assaut et libérer autant de vaisseaux que possible. Messieurs, je ne saurais trop vous recommander l'usage de la plus grande prudence. L'état-major du Dominion peut envoyer des renforts vers la plus éloignée de ses bases en à peine 16 heures. Attendez-vous à de rapides représailles de la part de l'empereur Mengsk. Vous, le traître, je vous suggère de prêter attention au grade de votre interlocuteur lorsque vous vous adressez au capitaine et à moi-même. C'est bien compris, lieutenant Duran ? Affirmatif, amiral. Cette petite guéguerre n'a pas lieu d'être, Gérard. Les renseignements de ce garçon nous ont tout de même permis de lancer une attaque décisive. Vous devriez lui en être reconnaissant. Son utilité ne change rien au fait qu'il a trahi les siens, Alexei. Et vous savez combien j'exècre les traîtres. Je ne le sais que trop bien, Gérard. Capitaine, lancez l'opération dès que vous serez prêt. Réquisitionnez les cuirassés et préparez-vous à contenir l'afflux des renforts du Dominion. Capitaine, une fois vos troupes débarquées, vous escorterez nos pilotes jusqu'aux cuirassés, dont ils prendront le contrôle pour les rallier à notre flotte. Bon, les gars, écoutez-moi. Chaque escouade se verra assigner un médic qui rafistolera les blessés. Mais que cela ne vous dispense pas de faire attention. Gardez l'œil ouvert et concentrez-vous sur la mission. Sur le champ. Cuirassé opérationnel. Sous contrôle, capitaine. Quatre missiles armés. Nous attendons les ordres. Comptez sur moi. Bien compris. Attaque nucléaire détectée. Opérationnel. Capitaine, nous détectons la présence d'une importante flotte du Dominion à proximité de votre position. Ce sont probablement les renforts dont Duran parlait. Capitaine, que nos nouveaux vaisseaux se préparent à intercepter ces intrus. Capitaine, nous recevons une transmission en provenance de NORAD 3, le vaisseau amiral du Dominion. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas à quelle foutue milice vous appartenez. Mais je vous ordonne de vous rendre sur le champ. Je suis le général Edmund Duke de l'Armada du Dominion. Au nom de l'empereur Mengsk, j'exige que vous déposiez les armes sans condition. Ah, général Duke. Je m'attendais à vous voir arriver plus tôt. Sachez que nous n'appartenons à aucune de vos milices de paysans renégats, mais que nous représentons les forces combinées du directoire de la Fédération Terrienne. Directoire de la Fédération Terrienne. Ne me dites pas que vous avez fait tout ce chemin depuis la Terre. Précisément, général. Et nous sommes venus prendre le contrôle de ce secteur pour le plus grand bien de l'humanité. Vous devrez d'abord me passer sur le corps. Je me fiche pas mal de savoir d'où vous venez, mon garçon. Personne ne s'en prendra impunément au Dominion tant que je serai vivant. À toutes les unités, feu à volonté.
cap enregistré. Assurément. Capitaine, les arsenaux du Dominion ont été détruits et les forces du Général Duke semblent avoir quitté le secteur. Nous avons en outre intégré à la flotte la plupart des troupes défensives encore présentes sur Tilaria et nous tenons prêts à passer à la phase suivante de l'invasion. Notre équipe de recherche indique avoir découvert l'existence d'une arme secrète cachée sur Tarsonis. Il s'agirait d'un disrupteur psy dont la fonction aurait un lien avec les Zergs. Amiral, lorsque les Zergs ont envahi ces colonies, la Confédération a conçu un certain nombre d'appareils portables, les émetteurs psy, dont les signaux permettent d'attirer ces créatures. D'après la rumeur, un de ces émetteurs serait même capable de perturber leur communication. Mais, malgré des recherches intensives, l'empereur Mengsk n'a jamais pu mettre la main dessus. Ce disrupteur semble correspondre parfaitement à la description. Si je puis me permettre, amiral, je ne saurais trop vous conseiller de le détruire au plus vite. Nous ferions face à de sérieux problèmes si le Dominion venait à s'en emparer. Cela me semble en effet être le plus prudent, lieutenant. Mais amiral, ce disrupteur pourrait se révéler décisif dans notre combat contre les Zergs. Ce serait une folie de se priver d'un tel atout. Auriez-vous des doutes, vice-amiral, quant à la puissance de notre flotte? Le Directoire n'a assurément besoin d'aucun artifice pour anéantir les Zergs. Écoutez, lieutenant, je commence vraiment à... Cette conversation est terminée, Alexei. Notre mission consiste à asservir le Maître-Esprit, je vous l'appelle. Dans ces conditions, nous pouvons difficilement nous permettre de laisser Mengsk disposer d'un tel pouvoir. Nous n'avons d'autre choix que détruire ce disrupteur psy. Timonier, cap sur Tarsonis. Je vous écoute, QG. Lieutenant Duran, puisque vous semblez si préoccupé par le danger que constitue ce disrupteur, je vous charge de le retrouver et de sécuriser la zone. Nous procéderons ensuite à sa destruction. Capitaine, nos capteurs indiquent la présence de nombreuses colonies Zerg, conformément au rapport de nos services de renseignement. Amiral, en détruisant les différentes ruches implantées dans la zone, nous devrions parvenir à neutraliser les Zerg. Confirmation d'attaque. Indiquez-moi la cible. C'est bien ce que je pensais. Cette couvée est incapable de s'organiser en l'absence d'une ruche principale. Capitaine, nous avons localisé l'emplacement du disrupteur psy. Devons-nous commencer à placer les explosifs? Lieutenant Duran, nous venons vous relever. Par ordre de l'amiral Stukov, nous prenons en charge le démantèlement du disrupteur. Entendu. Vous pouvez procéder. Capitaine, je regagne le vaisseau de commandement. Capitaine, une fois encore, vous avez fait montre de qualité de meneur d'hommes exemplaire. Le vice-amiral Stukov m'a confirmé s'être chargé du disrupteur. Nous pouvons donc passer à la phase suivante de notre opération. Le moment est venu d'envahir Koral, la planète siège du Dominion. Alexei, dressez au capitaine un bilan de la situation. Comme vous le savez certainement, Koral a longtemps été le berceau du sentiment de révolte contre les Confédérés. Afin de couper court à tout soulèvement, la Confédération a pilonné la planète et décimé sa population à grand renfort de frappes nucléaires.
Bien que le taux de radioactivité connaisse son plus bas niveau, la surface de Corral n'est plus qu'un désert brûlant. Mais surtout, amiral, cela implique que Mengsk n'aura aucun scrupule à recourir aux armes nucléaires contre nous. Nous avons détecté un ensemble de silos atomiques à proximité d'Augustgrad. En les détruisant, nous le priverions de sa principale force de frappe nucléaire. Nous faisons également face à un autre obstacle, capitaine. Nos services de renseignement indiquent que Mengsk a déployé de nombreux cuirassés pour défendre la planète. Il est toutefois possible de les neutraliser en mettant quelques-uns de ses laboratoires de physique les plus stratégiques hors d'état de fonctionner. Sans eux, les vaisseaux de l'Empereur ne pourront plus alimenter leur système d'armement en énergie. Bien que nous sachions comment contrer Mengsk, nous n'aurons pas le temps d'agir sur les deux fronts. Capitaine, vous allez donc devoir choisir entre les silos nucléaires et les laboratoires de physique. Une fois votre mission accomplie, nous pourrons déclencher notre assaut final contre Augustgrad. Quels sont les ordres, chef ? Les frappes nucléaires de Mengsk pendant que nous assiégerons son palais. Capitaine, l'amiral Dugal a convoqué une ultime réunion tactique avant le déclenchement du siège d'Augustgrad. Je vous mets en contact avec sa salle de commandement. Ah, capitaine, nous vous attendions. Comme vous l'avez sans doute deviné, nous mettons au point les derniers détails de notre plan en vue de l'assaut final. Vous n'ignorez pas que même si Mengsk ne peut compter sur aucun renfort, il dispose déjà d'une armée considérable et d'un sens de la stratégie hors pair. Aussi, vous auriez tout intérêt à ne sous-estimer aucune de ces tentatives de contre-offensive. Par ailleurs, nous l'avons peut-être privé de sa force de frappe nucléaire, mais il dispose toujours d'une vaste flotte de cuirassés. Soyez certain qu'il les utilisera dès qu'il en aura l'occasion. Restez sur vos gardes, capitaine, et montrez à ce Mengsk ce que le DFT pense de son empire. Votre base est attaquée. Votre base est attaquée. Les renforts sont en route. Tenez bon. Le vaisseau amiral du Dominion en orbite basse. L'empereur Mengsk essaie peut-être de s'échapper. Nous recevons une transmission. Ici Mengsk, empereur du Dominion Terran. J'exige de m'entretenir avec votre commandant sur le champ. Ah, l'insaisissable Arcturus Mengsk. Enfin, j'espérais bien pouvoir vous parler avant d'en avoir fini avec ma mission ici. Je suis l'amiral Gérard Dugal, et je dois vous féliciter de nous avoir résisté aussi longtemps.
Vous nous avez donné du fil à retordre. C'est trop. Mais sachez que votre victoire ici ne change rien. Il m'a certes fallu du temps, mais j'ai fini par renverser la Confédération. Et vous subirez le même sort. Permettez-moi d'en douter, cher ami. Étant donné que vous et vos officiers allez être exécutés publiquement. Vous n'oseriez pas. Est-ce bien l'homme qui s'est autoproclamé empereur qui me parle d'audace? Vous n'êtes pas à la hauteur de votre réputation, citoyen Mengsk. Capitaine, mettez-le aux arrêts. Désolé, messieurs, mais vous allez devoir remettre votre petite sauterie à plus tard. Monsieur, le vaisseau de commandement rebelle Interview vient d'apparaître sur nos radars. Il est accompagné d'un petit détachement de vaisseaux Protoss. Quoi? Mais qui sont ces? Jim Raynor, qu'est-ce que vous foutez ici? Je viens vous sauver les miches, Arcturus. Alors fermez-la et écoutez-moi. Ne vous méprenez pas, on a toujours de sérieux comptes à régler tous les deux. Mais une de nos connaissances communes a besoin de vous vivant. Préparez vos vaisseaux pour un rappel dimensionnel. C'est intolérable! Ils tentent de nous filer entre les doigts! Qu'attendez-vous? Retrouvez-les! Capitaine, nous avons remonté la piste des fugitifs jusqu'à Ayur, la planète dévastée des Protoss. Il semblerait que Mengsk et Raynor se soient réfugiés dans un camp Protoss fortifié, au pied d'un portail en parfait état de fonctionnement. Quelque chose m'échappe dans tout ça. Pourquoi les Protoss protègent-ils ces types? Je n'en ai pas la moindre idée, Gérard, mais les Protoss ne sont pas notre seul problème. D'après nos détecteurs, de nombreuses couvées Zerg entourent le camp fortifié. Elles semblent plutôt pacifiques pour le moment, mais rien ne dit qu'elles le resteront. Si elles venaient à nous attaquer, nous aurions le plus grand mal à faire face. Je vois. Mais c'est un risque que nous devons courir. Mengsk représente une trop sérieuse menace. Il doit être éliminé. Capitaine, concentrez vos efforts sur le centre de commandement rebelle, au cœur du camp Protoss. C'est sans doute là que les fugitifs se cachent. Nous allons déployer nos Valkyries et renforcer nos défenses aériennes. Le vice-amiral Stukov et le lieutenant Duran vous couvriront et veilleront à ce qu'aucune force extérieure n'interfère avec votre mission. Valkyrie prête. Centre de commandement rebelle. On dirait cependant que Mengsk et Raynor tentent de s'échapper par le portail. Préparez-vous à agir et interceptez-les avant qu'ils... Attendez. Je détecte plusieurs signatures Zerg en approche par le nord-est. C'est la zone de couverture de Duran, mais il semble avoir déplacé ses troupes. Lieutenant Duran, ici Stukov. Répondez! Nos capteurs signalent la présence d'une importante couvée Zerg dans votre secteur. Nom de Dieu, répondez! C'est étrange, vice-amiral. Mes radars n'indiquent rien de tel. Peut-être votre équipement est-il défaillant. Lieutenant, si ces Zerg franchissent nos défenses, nous ne pourrons plus rattraper Mengsk. Je vous ordonne de regagner votre position et de soutenir mes troupes dans leur effort. Je suis désolé, monsieur. Mais le signal est très instable. Je n'ai pas compris ce que vous venez de dire. J'essaierai de vous recontacter plus tard. Duran! Capitaine,
vous disposez d'à peine 15 minutes avant que la multitude Zerg vous submerge. Regagnez le reste de la flotte immédiatement et informez l'amiral Dugal qu'une affaire personnelle me retient. Amiral, Mengsk et Raynor ont réussi à s'enfuir par le portail grâce à l'intervention des Zergs. Mais avant que nos troupes soient submergées, le vice-amiral Stukov a mis le cap sur Braxis à la tête d'un large contingent. Pourquoi a-t-il déserté le champ de bataille sur Aiur? Et pourquoi est-il rentré ici, sur Braxis? Avec tout le respect que je vous dois, amiral, peut-être la loyauté de Stukov n'est-elle pas aussi inébranlable que vous le pensiez? Je vais mettre cette remarque sur le compte de votre jeunesse et de votre manque de discernement, lieutenant. Alexei et moi sommes amis depuis bien avant votre naissance. Quoi qu'il en soit, nous devons le retrouver. Si Stukov est ici, il devra répondre de ses actes. Amiral, nos capteurs détectent la présence d'un disrupteur psy parfaitement fonctionnel, juste à l'aplomb de notre position. Il semblerait que le vice-amiral n'ait pas détruit le dispositif sur Tarsonis comme il en avait reçu l'ordre. Quoi? Mais c'est impossible! Je vous avais prévenu, amiral. Stukov vous a trahi. Il a réassemblé le disrupteur psy pour saboter votre mission dans ce secteur. Je ne peux pas le croire. Et pourtant les faits sont indéniables. Alexei, qu'est-ce qui t'a pris? Peut-être aviez-vous raison depuis le début, lieutenant. Voici mes ordres. Retrouvez le vice-amiral et occupez-vous de lui comme il se doit. Bien reçu, amiral. Tenez-vous, lieutenant. On dégage l'entrée. La porte est verrouillée. Placez les explosifs. Non autorisée, détectée. On y est. La zone est dégagée. Quelqu'un sait comment marche ce truc? Ordinateur, localisez l'amiral Stukov. Code d'accès refusé. Je déteste les ordinateurs. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Stukov? Ne leur dis rien, Harry. Ce sont des traîtres. Liquidez-moi tout ça! Au secours! C'est parti! Immédiatement! Je m'en occupe. Un autre ordinateur. Il y a écrit appuyer sur une touche. Mais laquelle? Il y en a plein! Caméra de sécurité activée. Atelier de réparation des Goliath localisé dans le secteur 4. Si on arrive jusque-là, on pourrait peut-être prendre le contrôle de certains de ces engins. C'est parti. Code d'accès refusé. Hé, hey, qui s'amuse avec les ordinateurs? Oh. File-moi les foutus codes d'accès ou je me fâche! J'ai compris! Je ne vous dirai rien. Attendez, je vais vous le dire. C'est... Farnam. Code d'accès validé. Merci. Ah, oups. Caméra de sécurité activée. Vice-amiral Stukov détecté dans le secteur 8. C'est parti. Alertez les pilotes des Goliaths. C'est parti. C'est parti. Je m'en occupe. Et toi, viens ici avec ce VCS et répare nos Goliaths. J'y répare, je m'en occupe. Bien sûr. Je m'en occupe. Bien sûr.
On a besoin de Duran pour ouvrir cette porte. Vice-amiral Stukov, j'ai ordre de vous relever de vos fonctions. Lieutenant Duran, je ne suis pas surpris. Nous savons tous les deux comment vous comptez vous y prendre. Alors finissons-en. Adieu, Stukov. Allez au diable. Ah! Lieutenant Duran, vos rapports. Gérard, mon vieil ami, il y a effectivement un traître dans votre entourage, mais ça n'est pas moi. Duran, il s'est joué de nous depuis le début. Il vous a convaincu de détruire le disrupteur Psy, alors qu'il constituait notre meilleure chance de vaincre les Zergs. Puis, sur Ayur, il les a laissés nous submerger alors que nous tenions les fugitifs. Si je suis venu ici, c'était pour activer notre seul espoir de vaincre ces créatures. Mais vous m'avez fait tuer pour ça. Duran est notre ennemi, Gérard. Je le soupçonne même d'avoir été contaminé. Utilisez le disrupteur, Gérard, et menez à bien notre opération. Que ma mort serve au moins à quelque chose. Alexei! Oh non! Mais qu'ai-je fait? Qu'est-ce qui m'a pris? Ordinateur, localisez le lieutenant Duran! Mes capteurs ne détectent plus aucune trace de présence du lieutenant Duran, amiral. Il semble avoir disparu. Non! Initialisation de la procédure d'autodestruction. Monsieur, le noyau énergétique du disrupteur vient d'entrer en surcharge. Pour éviter qu'il n'explose, vous allez devoir atteindre les commandes manuelles et éteindre le réacteur. Duran est certainement derrière tout ça. Vous avez servi le vice-amiral avec loyauté. Je vous demande d'honorer sa mémoire en faisant en sorte que ce disrupteur reste en un seul morceau. En avant. Et trouvez-moi ce terminal de commande manuel. Système de guidage activé. Brèche de sécurité détectée. Mes capteurs signalent de nombreuses signatures Zerg à proximité de votre position. Quoi? Comment les Zerg ont fait pour entrer? Capitaine, nous exposons un problème de contamination massif. Nous avons la preuve que Duran collabore avec les Zerg. Capitaine, ne laissez pas la moindre de ces créatures se mettre en travers de votre route. Nous avons plus que jamais besoin de ce disrupteur. Système de guidage activé. Caméra de sécurité activée. Oh la vache, comment est-ce qu'on est censé passer avec tous ces Zerglings? Affirmatif. Quelqu'un m'a appelé? Il semblerait que les couloirs soient équipés de tourelles défensives automatiques. Si on parvient à attirer les Zergs jusqu'ici, ils se feront réduire en bouillie. Rock'n'roll! Extra! Procédure d'arrêt du réacteur enclenchée. Beau travail, capitaine. Je veux que ce disrupteur psy tourne à plein régime, jour et nuit. Je laisserai une garnison en poste pour le protéger. Préparez la flotte à appareiller. Nous mettons le cap sur Char, afin de régler son compte à ce maudit maître esprit. Et ce Samir Duran ferait bien de prier que le ciel lui vienne en aide pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Capitaine, le signal émis par le disrupteur complique grandement les communications Zerg. La désorganisation qui règne parmi les couvées de chars
a permis à la flotte d'atteindre sa surface. Cependant, le Maître Esprit dispose encore d'un nombre considérable de défenseurs. Alexei avait raison. Le disrupteur est bien la clé de la victoire. Si j'avais écouté Duran et que je l'avais détruit, jamais nous ne serions arrivés jusqu'ici. Quoi qu'il en soit, capitaine, le moment est venu d'accomplir notre mission. Neutralisons le Maître Esprit au nom de l'humanité. Capitaine, nos détecteurs indiquent l'existence de 3 cérébras distincts qui constituent le cœur des défenses du Maître Esprit. En revanche, nous ignorons tout de leurs capacités respectives. Vous allez devoir faire preuve de la plus extrême prudence. Déployez vos troupes et éliminez jusqu'au dernier des ergues. Lorsque vous aurez atteint le Maître Esprit et écrasé ses défenseurs, envoyez vos médics anesthésier la créature avec leur drogue neurotoxique. Seulement alors, la victoire sera à nous. Et rappelez-vous, capitaine, que Duran est toujours en liberté. Je ne serais pas surpris que ce traître manigance encore quelque chose. Soyez prudent, et puisse la chance vous sourire. Je sais que nous vaincrons. Votre base est attaquée. Monsieur, ces aiguillons musigènes semblent sensibles à toutes nos armes. Je parie que c'est à cause du cérébral voisin. Ce truc peut les alimenter avec son énergie. Base est attaqué. On n'est pas prêt de revoir un de ces foutus ultralisques. Les troupes subissent une attaque. Doucement. Assurément. 4 enregistrés. Zone d'implantation du Maître Esprit. Vous pouvez envoyer les médics quand vous le voulez. Tenez-vous bien, ça risque de secouer un peu. Veuillez indiquer la nature de votre urgence médicale. Je m'en occupe. Veuillez indiquer la nature de votre urgence médicale. Sur le champ. Capitaine, les médics sont en position. Ils administrent leur neurotoxine au Maître Esprit. Excusez-moi, amiral, mais j'aimerais vous présenter quelqu'un. Duran ! Salopard de traître ! Comment osez-vous ? Amiral Vidal, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Nom de Dieu, mais qui êtes-vous? Je suis Kerrigan. Ces ergues que vous avez massacrés et le Maître Esprit que vous venez de neutraliser m'appartiennent. Tout comme notre ami commun, le lieutenant Duran. Voyez-vous, amiral, de nombreux groupes dans ce secteur estiment que votre présence est source de complications. Aussi, avec mes associés, nous allons nous assurer que votre règne sera de courte durée. Et comment comptez-vous vous y prendre, espèce d'abomination? Je vous rappelle que j'ai les moyens de vous empêcher de contrôler les ergues. Ah, vous voulez sans doute parler de votre cher disrupteur psy. Mais il n'est pas éternel, amiral. Tôt ou tard, je le détruirai. Et je vous montrerai alors de quoi sont réellement capables les ergues. Oh, et tant que j'y suis, amiral, votre ami Stukov en valait 2 comme vous. Je vous remercie de m'en avoir débarrassé. Le seul
fait de prononcer ce mot suffisait il y a peu de temps encore à semer la terreur. Mais nous pouvons être soulagés à présent, car les forces du directoire occupent en ce moment même leur planète mère. Char ! Plusieurs mois se sont écoulés depuis notre affrontement initial contre les Zergs. À présent, les forces du directoire ont pris le contrôle de la planète Char, longtemps soupçonnée d'abriter le malfaisant Overmind, commandant en chef des troupes Zergs. L'Overmind est une créature repoussante, une masse gélatineuse infâme qui contrôle à distance des milliers de Zergs. La Terre elle-même a longtemps été menacée d'invasion. Les Zergs se sont heurtés à des troupes vaillantes et déterminées. Les meilleurs guerriers Zerg ne sont pas de taille face au plus grand arsenal technologique de la galaxie. Les forces Zerg qui défendaient Char ont été complètement décimées. Leurs pertes se chiffrent en millions. Cette guerre a aussi ses héros. Alors que les forces du Directoire n'ont subi que de faibles pertes, le vice-amiral Alexei Shtukov, commandant second de la flotte du Directoire, a donné sa vie lors de l'assaut final contre Char. Les funérailles se sont déroulées à bord du vaisseau amiral Alexander. Rendons hommage à ce héros, dont le sacrifice restera dans nos mémoires. Ce sacrifice n'aura pas été vain. À l'issue de la bataille, l'Overmind lui-même a été neutralisé. En ce moment même, les scientifiques du directoire continuent de lui administrer des doses massives de psychotropes afin de maintenir la créature sous contrôle. L'Overmind est à présent un sujet d'expérience amené à assurer la défense du directoire de la Fédération Terrienne et de toute l'humanité. Salutations, Cérébra. Tu as sans doute remarqué que j'avais coupé le lien qui te rattachait au Maître Esprit et à tes frères renégats. Cela n'a rien de personnel, comprends-le bien, mais je ne peux me permettre de te laisser tomber sous leur influence. Tu m'appartiens à présent. Obéis-moi sans broncher, et je te laisserai la vie sauve. Ma reine, pardonnez mon intrusion, mais les visiteurs que vous attendiez sont arrivés. C'est pas trop tôt. À vrai dire, aucun de nous n'était particulièrement pressé d'arriver, Sarah. Tu doutes encore de mes intentions, Jimmy ? Ouais, toujours. Quand je vous ai contacté sur Ayur, je vous ai averti que le DFT cherchait à prendre le contrôle du nouveau Maître Esprit. Eh bien, ça y est, le Directoire l'a neutralisé et dirige désormais la plupart des couvées Zerg du secteur. Voilà pourquoi je vous ai demandé de venir. Vous voulez que nous vous aidions à vaincre le Directoire de la Fédération Terrienne ? Pour que vous puissiez seul commander aux Zerg. Tu te trompes, Phoenix. Si je veux me débarrasser du directoire, c'est uniquement pour éviter qu'il étende son emprise sur le secteur et nous réduise tous en esclavage. Tu sais que j'ai raison, Jim. Tu as étudié l'histoire de la Terre. Tu connais les méthodes du directoire. Prendre le contrôle des Zerg n'est que la première étape de son plan. Oui, peut-être. Ma reine, pardonnez cette nouvelle interruption. Mais nous avons un sérieux problème. Tu sais choisir ton moment. Messieurs, nous reprendrons cette conversation plus tard. Duran, je t'écoute. Le signal du disrupteur est parvenu jusqu'à Tarsonis, où il a totalement désorganisé vos couvées. Ces dernières heures, vos serviteurs se sont retournés les uns contre les autres, laissant leur colonie hors de contrôle. Il ne manquait plus que ça. Cérébra, prends le commandement des quelques Zergs encore sous mon contrôle et fais de ton mieux pour limiter les dégâts. Je refuse que mes colonies soient détruites par mes propres serviteurs.
marraine, les ruches ne répondent pas aux ordres du Cérébra. Nous ne pouvons espérer aucun renfort. Cérébra, tu vas devoir te contenter des guerriers que tu as à ta disposition. Anéantis les renégats en mon nom. De sérieux problèmes. Même si j'ai réussi à reprendre le contrôle de mes troupes, il me faut toujours plus de concentration pour les garder sous ma coupe. Oh, ma pauvre Kerrigan, comme c'est poignant. Bon, sérieusement, pourquoi voulais-tu qu'on te livre Mengsk? Tu penses toujours que je vais le tuer pour m'avoir livré aux Zergs? Mais c'est une histoire ancienne, Jim. Nous ne pouvons pas laisser nos petites vengeances personnelles prendre le pas sur nos plans contre le Directoire. Me voilà rassuré. Arcturus, j'espère que vous trouvez votre cellule cryogénique confortable. À quoi rime ce petit jeu, Kerrigan? Droit au but, hein? J'avais simplement envie de discuter. Ça faisait longtemps. Pas assez à mon goût. Pourquoi m'avoir fait venir? J'ai besoin de vos émetteurs psy, Arcturus. Pourquoi faire? Vous vous souvenez du disrupteur confédéré sur lequel vous n'avez jamais réussi à mettre la main? Eh bien, le Directoire l'a retrouvé et il m'empêche de contrôler mes serviteurs. Grâce à vos émetteurs, je pourrai rassembler assez de Zerg pour le détruire et m'attaquer au DFT. Et que me proposez-vous en échange? Ah, les politiciens. Très bien, Empereur. Si vous m'aidez à détruire le disrupteur, je vous aiderai à reprendre Coral. C'est tentant. Mais qui me dit que vous en aurez votre part du marché? La seule chose certaine, Arcturus, c'est que sans mon aide, votre futur empire se limitera à cette minuscule cellule jusqu'à la fin de vos jours. Je constate que vous êtes toujours aussi persuasif. C'est d'accord, Kerrigan, je vous céderai certains de mes émetteurs, mais j'espère que cela en vaudra la peine. Les gars, écoutez-moi. Notre objectif est de localiser et de détruire le générateur principal du disrupteur. Une fois notre mission accomplie, nous passerons la main à Mengsk et Kerrigan. Allez, on se bouge. J'y vais. Kerrigan, le générateur est HS. Tu peux envoyer l'émetteur quand tu veux. Bon travail, Jim. J'envoie l'émetteur psy à bord d'un de mes VCS. Maintenant que le disrupteur est désactivé, l'émetteur devrait attirer l'attention de tous les Zergs renégats des environs. Le VCS les guidera ensuite jusqu'à votre base. Et vous n'aurez plus qu'à en reprendre le contrôle. Affirmatif. Parfait. Avec ces ergs, je vais pouvoir bâtir une colonie. Dès que mes troupes seront assez puissantes, je lancerai l'assaut sur le disrupteur. Détruit et que Kerrigan a repris le contrôle de ses serviteurs. Je crains qu'elle n'oublie son pacte et ne se retourne contre nous. Je comprends ce que tu ressens, Félix. J'aimerais pouvoir croire qu'elle a changé, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas. Malgré tout, je pense sincèrement qu'elle souhaite renverser le DFT. Le tout est de savoir quel sort elle nous réservera quand elle en aura fini avec le Directoire. D'après moi, cette créature n'est absolument pas digne de confiance, mais je suis prêt à collaborer avec elle tant qu'elle peut me permettre de reprendre Coral.
Taisez-vous, Arcturus. Je me contrefous de votre avis, espèce de salopard. Au cas où vous l'auriez oublié, c'est à vous qu'elle doit être devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Allons, les garçons. Vous n'arrêtez donc jamais de vous chamailler. Kerrigan, vos troupes sont-elles prêtes à attaquer Coral comme prévu? Presque. Mais le renforcement de mes colonies principales nécessite encore de sérieuses quantités de ressources. Je me demandais d'ailleurs, messieurs, si vous auriez l'amabilité de conduire une petite expédition pour moi. On dirait que t'as déjà un plan. On t'écoute. Je pensais rendre une petite visite au combinat Kel-Morian. Moria est l'un des endroits les plus riches du secteur. Si vous parvenez à franchir ses défenses et à dérober suffisamment de ressources, nous pourrons lancer un assaut de grande ampleur sur Coral. C'est risqué, mais pas injouable. Phoenix, tu m'accompagnes? Si cela peut augmenter nos chances de réussite, je veux bien combattre en première ligne. Parfait. Alors allons-y. Pensez-vous qu'ils nourrissent des soupçons, Marelle? Bien entendu, Duran. Ils ne sont pas stupides. Ils se sont alliés à un mal qu'ils connaissent face à un autre qu'ils ne connaissent pas. En revanche, ils n'ont aucune idée de ce que cela va leur coûter. Cérébra, je veux que tu contamines autant de centres de commandement Terran que possible. Lorsque ce sera fait, nous les utiliserons à notre avantage contre Coral. Ce secteur, il me faille collaborer avec mon pire ennemi. Le destin est parfois étrange. Tu parles comme un vieillard fatigué, Phoenix. Ne te méprends pas, jeune Raynor. J'ai beau avoir 368 ans de plus que toi, je suis encore parfaitement capable de... Comment dites-vous, les Terran, déjà? Leur mettre la misère. Dont acte. Souviens-toi, Cérébra. Un minimum de 10 000 unités de minerais est nécessaire au renforcement de mes colonies. Ne reviens pas avec moi. Pour agir. Il est étrange que le combinat Kel-Morian poursuive ses activités malgré la poigne de fer que le DFT exerce sur le Dominion. Plus jamais, je ne sous-estimerai la part de la cupidité dans les motivations des Terran. Extra. Pour le maître-esprit. Vous avez tous magnifiquement travaillé. Surtout toi, Phoenix. Mes colonies se portent à merveille et mes couvées n'ont jamais été aussi puissantes. Assez perdu de temps. Le DFT profite de chaque seconde pour renforcer ses défenses. Et je refuse de laisser quiconque m'empêcher de reconquérir ma planète. Vous avez raison, Arcturus. Le moment est venu de frapper le Directoire. Mais n'oubliez pas que Coral est l'une des planètes les mieux défendues de tout le secteur et que, outre une armée conséquente, le DFT pourrait également compter des renforts Zerg. Ce siège n'aura rien d'une partie de plaisir. Raynor, avec Phoenix, vous attaquerez les fortifications extérieures pendant que mes troupes lanceront l'assaut sur la base principale du Directoire, en plein cœur d'Augustgrad. Nous avons déjà passé ce plan en revue des centaines de fois. Lancez cette putain d'attaque! Très bien, Arcturus. Avant le lever du soleil, Coral sera de nouveau à vous. Comme je m'y attendais, le Directoire a envoyé ses marionnettes Zerg en renfort. Mais bizarrement, peu de ces créatures semblent disposées à attaquer. Peut-être le DFT a-t-il plus de difficultés à contrôler le maître-esprit que je ne le pensais. Okay.
des cérébras. Les défenses du DFT sont brisées. Arcturus, vous pouvez reprendre possession de ce monde. Vous avez ma bénédiction. Épargnez-nous vos sarcasmes, Kerrigan. Cela faisait partie de notre accord. J'ai mérité tout ceci. Je suis de nouveau empereur du Dominion. J'envoie le général Duke établir ma base d'opération à Augustgrad. Profitez bien de votre règne. Cérébra, Durham, il est temps de séparer le pont grain de l'ivraie. Maintenant que le Directoire ne dispose plus d'aucune base sur ce monde, seules ses troupes de chars représentent véritablement une menace. Le moment est venu de passer à la seconde phase de mon plan. Et vos alliés de Coral, ma reine, quel sort allez-vous leur réserver? Ils ne me servent plus à rien. Ils se sont certes révélés utiles, mais il serait dangereux de les laisser en vie. Sans les services du Général Duke, Mengsk sera facile à balayer. Raynor et Phoenix, en revanche, sont étonnamment pleins de ressources. Nous devons les éradiquer. Cérébra, je veux que tu rases les bases de Phoenix et du Général Duke. Et ne laisse aucun survivant. Ma reine, puis-je vous proposer une stratégie? Les troupes Terran et Protoss célèbrent encore notre toute récente victoire. En les attaquant sur le champ, nous pourrions profiter de l'effet de surprise pour décimer leur défense. Excellente idée. Mais combien de temps disposerons-nous avant qu'ils se ressaisissent et lancent une contre-attaque? Je dirais 6 minutes environ. Ce qui ne nous permettra de surprendre qu'une seule base. Mais c'est un plan judicieux. Cérébra, je te laisse choisir la base à attaquer en premier. Je ne tolérerai aucun échec. Massacre-les tous en mon nom. Qu'est-ce qu'il y a? Comment allez-vous? À toutes les unités, préparez-vous à contre-attaquer. Kerrigan nous a pris par surprise. On va lui montrer ce qu'il en coûte. Continue comme ça, Cérébra. Leurs défenses ne résisteront pas longtemps. Ne serait-ce pas la petite Kerrigan? Je me doutais bien que nos chemins finiraient par se recroiser un jour. Tu vas devoir payer pour tous tes crimes, ma fille. Général Duke, depuis le temps que j'attends de vous voir mort, j'avoue avoir un peu de mal à contenir mon excitation. T'as plutôt intérêt à être à la hauteur, ma petite. Personne se frotte impunément au Général Duke. Vous. Nous avions un accord. Allons, Arcturus. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous laisser reprendre le pouvoir. Vous m'avez abandonné aux griffes des Zergs sur Tarsonis. C'est à vous que je dois l'enfer que j'ai traversé. Je ne pouvais pas vous laisser vous en tirer comme ça. Et que sont devenues toutes vos belles promesses? J'ai menti. Si j'ai libéré cette planète, c'est parce qu'elle constituait une position stratégique pour le Directoire, pas pour vous rendre service. Je me suis servi de vous pour détruire le Disrupteur. Mais maintenant que j'ai repris le contrôle de mes couvées, vous ne m'êtes plus d'aucune utilité. Je pense que je vais vous abandonner ici, Arcturus, au beau milieu des cendres de votre précieux Dominion. Je veux que vous surviviez et assistiez à mon inexorable ascension. Je veux que vous n'oubliez jamais que le seul responsable de tout ceci, c'est vous. Kerrigan, abjecte traîtresse. Dire que nous avons eu la bêtise de nous prêter à votre mascarade. En effet, Phoenix, j'avais besoin de vous pour arriver à mes fins et je dois reconnaître que vous ne m'avez pas déçu. Vous autres, les Protoss, vous êtes si entêtés, si prévisibles. Vous êtes vos pires ennemis. Quelle ironie! Je me rappelle encore Tassadar, vous enseignant la même leçon sur Char.
Une leçon qui a porté ses fruits, Pretor. Mais assez discuté. Es-tu prêt à mourir une seconde fois? Le Kala est ma destinée, Kerrigan. Et bien que je sois disposé à l'embrasser, ne comptez pas sur moi pour vous faciliter la tâche. Des mots dignes d'une véritable épitaphe. Il est mort comme en rêvent tous les Protoss, au combat. Il est mort parce que tu l'as trahi. Combien d'innocents vas-tu encore consumer? Combien devront mourir avant que tu te rendes compte de ce que tu es devenu? Je ne sais même pas de quoi tu parles, Jim. Vraiment? Je vais te tuer pour ce que tu as fait. Pour Phoenix, et pour tous ceux que tu as fauchés dans ta quête de pouvoir. Oh, j'ai peur. Ne le prends pas mal, Jimmy, mais tu n'as pas l'étoffe d'un tueur. Ça n'arrivera peut-être pas demain, ni même avec le soutien d'une armée. Mais sois-en sûr, je suis celui qui mettra fin à tes jours. Ils ont tous été détruits. Regagnons Tarsonis et prenons un peu de repos. Pour la première fois depuis ma transformation, je suis fatigué de ces combats. Ma reine, nos unités de reconnaissance nous signalent la présence d'innombrables ergs en orbite haute. Plusieurs centaines ont déjà débarqué et fondent sur notre forteresse. Nos avant-postes tentent actuellement de contenir l'assaut de cette couvée renégate. Ainsi, le Directoire met son emprise sur le Maître Esprit à l'épreuve. Je pensais que le sort réservé à Coral lui aurait servi de leçon, mais... apparemment, il en redemande. Dois-je rallier l'ensemble de nos troupes, ma reine? Oui. Nous devons défendre nos avant-postes et empêcher les ergues renégats de progresser. Une fois le périmètre sécurisé, nous nous attaquerons à leur colonie. Marraine, nous avons découvert une petite installation terrane à l'arrière de la zone d'atterrissage des renégats. Elle abrite visiblement de nombreux scientifiques du DFT, mais nous ignorons tout de la raison de leur présence. Je sais pourquoi ils sont là. Je me doutais que l'emprise du Directoire sur le Maître Esprit ne serait pas à la hauteur de ses espérances. La distance qui le sépare des couvées ergues ne lui permet pas de les contrôler directement. Aussi, ces scientifiques ont été envoyés pour coordonner l'attaque. Cerebra, concentre tes efforts sur les bâtiments Terran. Tous les scientifiques du Directoire doivent être éliminés. Nous nous occuperons ensuite des ergues renégats. De regagner Shakuras. J'ai une dernière affaire à régler avec Ra's Zagal, la matriarche des Templiers Noirs. Je dois la soustraire aux siens avant de lancer l'assaut final contre le Maître Esprit sur Char. Cependant, je doute que ses défenseurs nous laissent faire sans réagir. Les pylônes génèrent un champ électromagnétique qui empêche nos unités volantes de manœuvrer. Nous ne pouvons compter sur aucun soutien aérien. Dans ce cas, nous devons trouver une autre stratégie. Peut-être pourrions-nous essayer de créer une diversion, marraine, et profiter de la confusion pour enlever la matriarche. À quoi tu penses, Duran? Le poste avancé Protoss de Talématros, installé sur un plateau rocheux, est pratiquement imprenable par voie terrestre. Cependant, la ville est alimentée par plusieurs pylônes voisins. Si nous parvenions à les mettre en surtension, pourrions déclencher une explosion et en profiter pour enlever la matriarche. Simple, sournois et efficace.
En un mot parfait. Duran, charge-toi des opérations. Célébra, couvre Duran pendant qu'il infiltre le réseau énergétique. Ne laissez personne vous arrêter. Pylône paré pour la surcharge. Charge disposée. Nos troupes sont en place. Elo est paré pour la surcharge. Paré. Toutes les charges sont en place. Sur votre ordre, une terrible explosion ravagera Talématros. Parfait. Cérébra envoie mes serviteurs sur cette planète et qu'ils capturent la matriarche. Duran, tu peux déclencher les charges. À vos ordres, Paré. Sont attaqués. Mes serviteurs, l'heure est enfin venue d'anéantir ce pitoyable maître esprit et les derniers de ces cérébrats renégats. Le directoire va sans doute nous opposer une résistance farouche. Mais rien ne saurait nous arrêter. Maintenant que nous détenons la matriarche, nous pouvons attaquer le maître esprit en toute impunité. Mais ma reine, je croyais que seules les énergies des Templiers Noirs pouvaient affecter le maître esprit et ses cérébras. Malgré la multitude des couvées que vous contrôlez, toute attaque contre les renégats sera malheureusement vaine. N'en sois pas si sûr, Duran. Et puisque tu en parles, sache que j'attends l'arrivée de mon arme secrète d'une seconde à l'autre. Si vous le dites, ma reine. Mais je ne comprends toujours pas. Nous recevons une transmission en provenance d'un porte-nef Protoss non identifié. Voilà ce que j'apprécie chez les Protoss. Leur ponctualité. Kerrigan, ici Zeratul. J'exige de savoir pourquoi vous avez capturé notre matriarche. En réalité, Zeratul, ce n'est pas elle qui m'intéresse, mais toi. Je veux que toi et tes Templiers Noirs vous tuiez le maître esprit pour moi. Et pour m'assurer de votre collaboration inconditionnelle, je n'avais d'autre choix que m'en prendre à ce que vous avez de plus cher. Cela dit, je te promets que dès que le maître esprit sera mort, je vous rendrai votre précieuse matriarche. Votre parole n'a pas la moindre valeur. Zeratul, mon fidèle serviteur. Vous devez aider Kerrigan dans son entreprise. Le maître esprit est notre ennemi commun. Il doit être détruit pour que les nôtres survivent. Vous me demandez d'aider cette abjecte créature? Je ne vous le demande pas pour moi, ni pour elle, mais pour notre peuple, Zeratul. Obéissez-moi comme vous l'avez toujours fait. Ayez confiance en mon jugement. Très bien, matriarche. Ce jour sera celui de la mort du maître esprit. Kerrigan, le maître esprit est mort, comme vous l'avez demandé. Maintenant, relâchez la matriarche. Mais bien sûr. Ras Zagal, souhaitez-vous rejoindre les vôtres? Non, ma reine. Je ne désire qu'une chose, rester auprès de vous pour mieux vous servir. Quelle est donc cette supercherie, Kerrigan? Cette pitoyable créature ne peut être Ras Zagal. J'avais promis que je la laisserais vous rejoindre, Zeratul. Mais j'ai bien peur qu'elle n'en ait pas envie. Vous l'avez corrompue. Vous avez empoisonné son esprit.
Libérez-la de votre emprise sur le champ, ou vous le regretterez, Kerrigan. Très bien, Zeratul. Je vais vous dire la vérité. J'ai fait de votre matriarche mon esclave bien avant de vous rejoindre sur Shakuras. Comme tous les autres, elle avait eu le tort de me sous-estimer, et elle en a payé le prix. Grâce à elle, j'ai pu éliminer les renégats sur Shakuras et me servir de vous pour tuer le maître esprit. Et, comme vous pouvez le constater, votre chère matriarche refuse même de me quitter. Pas mal, hein? Ne criez pas victoire trop vite, Kerrigan. Reine, depuis l'éradication du maître esprit et de ses cérébras, tous les ergs du secteur sont repassés sous votre contrôle direct. La flotte du directoire a abandonné la planète, mais j'ignore de combien de vaisseaux opérationnels elle dispose encore. Le transfert des colonies principales sur la plateforme orbitale est à présent terminé. Mais nous avons malgré tout un problème. Zeratul et ses Templiers Noirs sont parvenus à contourner nos défenses et à libérer leur matriarche. Maudit Zeratul! C'est un adversaire redoutable. Vers où ont-ils fui, Duran? D'après nos unités de reconnaissance, ils auraient rejoint un groupe de survivants Protoss à la surface de Char. Ils y maintiennent leur matriarche en stase, ce qui me laisse penser qu'ils envisagent de la ramener sur Shakuras. Ils espèrent encore l'arracher à mon influence. Zeratul sera déçu de constater qu'ils ne peuvent plus rien pour elle. Combien de temps reste-t-il avant qu'ils regagnent Shakuras? Je dirais 30 minutes avant qu'ils procèdent au rappel dimensionnel de leur flotte, ma reine. Ce sera bien assez. Cérébra, mobilise toutes mes couvées et envoie-les sur Char. Je veux que tu me ramènes la matriarche Zeratul vivant. Tous les autres Protoss doivent être éliminés jusqu'au dernier. Merci, Zeratul. Enfin, je suis libérée de sa répugnante emprise. Vous m'avez toujours servi avec honneur. Aussi, je vous demande de veiller sur nos frères. Leur avenir repose entre vos mains. J'arrive à peine à le croire. Tu as sacrifié ta matriarche. Il est préférable qu'elle soit morte. Plutôt que votre esclave, Kerrigan. On dirait que je t'avais mal jugé, Zeratul. Tu es vraiment un guerrier valeureux. Je te laisse libre de partir. Quoi? Tu es libre de partir? Je t'ai déjà pris ton honneur, et je sais que pas un instant ce souvenir ne cessera de te hanter. Jamais tu ne pourras te pardonner ton geste, Zeratul. Comment imaginer une vengeance plus délicieuse? Vous regretterez cette décision, Kerrigan. Nous nous reverrons. Flottes sont dispersées aux quatre coins de la galaxie et Kerrigan contrôle désormais l'ensemble des couvées Zerg. Malgré tout, nous devons poursuivre le combat. Notre priorité immédiate consiste à retrouver Artanis et ses guerriers.
Dès que nous aurons établi le contact, nous pourrons regagner Chakuras et décider de la marche à suivre. Prélas et Ratoul, nous détectons des signatures énergétiques Protoss en provenance d'une lune inexplorée. D'après nos archives, jamais aucune colonie Protoss n'a été établie dans ce secteur. C'est étrange. Il pourrait s'agir d'Artanis ou d'autres survivants de notre flotte. Quoi qu'il en soit, il est de notre devoir d'identifier la source de ces signatures énergétiques. Mettez le cap sur cette lune. Si Artanis s'y est réfugié, nous le trouverons. Zeratul, nos capteurs ont détecté la présence d'installations Terran, non loin de la source des signatures énergétiques. Très bien. Je vais aller voir. Je le fais pour Aiur. Cette cellule renferme un Protoss. Alerte. Le sujet numéro 23 souffre d'une répercussion psychique. Les cristaux sont entrés en surcharge. Implosion de la cellule imminente. Bon sang. La maîtrise des énergies des pylônes semble leur poser plus de problèmes que je le pensais. Et pourquoi ces Terran détenaient-ils un Protoss dans une cellule de stase? C'est bien ce que je pensais. Cet endroit abrite d'autres cellules de stase. Cette cellule renferme un autre Protoss. Ce terminal me fournira peut-être les informations que je recherche. Sujet numéro 25 en cryo-hibernation. Analyse des données du neuroscan en cours. Séquençage ADN terminé. Émanation psionique minime. L'audace de ces Terran me surprendra toujours. Puisque les guerriers Protoss semblent tant les intéresser, je vais leur montrer de quoi nous sommes capables. Doucement. Assurément. Vous me parlez. Qu'il en soit ainsi, je le fais pour Aiur. Ça alors. Il conserve un Zergling dans cette cellule. Mais que se trame-t-il ici? Sujet numéro 27 en cryo-hibernation. Résultat du neuroscan complet et archivé. Séquençage ADN terminé. Hybridation génétique des sujets 25 et 27 terminée. Expérience 2273 en cours. Par les dieux, il n'oserait pas. Je le fais pour Aiur. Je n'ai jamais vu pareille créature. Sujet numéro 29. Classification. Hybride Zerg Protoss. Cryo-hibernation parfaite. Émanation psionique minime. Non. Magnifique, n'est-ce pas? Quoi? Qui êtes-vous? J'ai porté de multiples noms au fil des millénaires, jeune prélat. On me connaît aujourd'hui sous celui de Samir Dural. L'acolyte de Kerrigan. Cela fait-il partie de ses projets démoniaques? Non. Cette chère petite n'aurait jamais pu mener une expérience si ambitieuse. Même si la renaissance de Kerrigan au sein de l'Essaim a permis de grandement accélérer les choses, cette entreprise dépasse de très loin son entendement. Si vous n'êtes pas son pion, alors pour qui ouvrez-vous? Je suis le serviteur d'un pouvoir bien plus grand, assoupi depuis des millénaires, et dont la créature contenue dans cette cellule incarne l'expression. Vous rendez-vous compte de ce que vous avez créé? Avez-vous la moindre idée de ce dont cet hybride est capable? Et comment? Cette créature est l'aboutissement de tout un cycle. Son rôle dans l'ordre cosmique était déjà écrit avant même la naissance des étoiles. Vous contemplez actuellement la quintessence de votre histoire.
Je ne vois rien d'autre qu'une abomination. La violence de votre réaction est parfaitement normale, jeune prélat. Tout comme votre incapacité à appréhender un dessein qui vous dépasse. Vous pouvez détruire tous les spécimens présents sur cette lune, cela ne changera rien. En effet, j'ai veillé à disséminer d'autres hybrides sur d'innombrables mondes. Jamais vous ne les retrouverez tous avant qu'ils s'éveillent. Et lorsqu'ils le feront, votre univers tout entier en sera bouleversé. Pour toujours. État de trois flottes convergeant vers la plateforme. En l'absence de Duran et avec le gros de mes couvées encore sur char, tu vas devoir te charger seul de ces intrus. Vous m'avez l'air inquiète, Kerrigan. Je vous dérange, peut-être? Pas du tout, Arcturus. Vous avez écumé les décharges galactiques pour vous constituer une nouvelle flotte. Non, j'ai simplement sollicité quelques faveurs et consenti à de petites concessions. Vous seriez surprise d'apprendre combien rêve de vous voir morte, Kerrigan. Je suis désolée, Arcturus, mais j'ai bien peur de décevoir vos nouveaux amis. Ce n'est pas avec vos trois flottes ridicules que vous me vaincrez. Trois? Ne faites pas l'imbécile, Arcturus. J'ai déjà repéré vos deux autres flottes. Kerrigan, ici Artanis. Je suis venu avec mes frères venger les morts de Phénix, de la Matriarche et de tous les Protoss fauchés par votre maudit dessein. Il est grand temps pour vous de payer les crimes commis contre notre peuple. Un bonheur n'arrive jamais seul. Les Protoss sont là, eux aussi. Et à votre avis, à qui peut bien appartenir la troisième flotte? Je dirais Dugal, avec ce qui lui reste du DFT. Bien vu, Kerrigan. Ici l'amiral Dugal. Et je suis venu vous offrir une dernière chance de capituler et de vous soumettre de façon inconditionnelle à l'autorité souveraine du directoire de la Fédération Terrienne. Wow, amiral! C'est un choix difficile que vous me proposez là. Ça mérite réflexion. En fait, je crois que je vais plutôt massacrer ce qu'il reste de vos troupes et me délecter de votre agonie. Qu'en dites-vous? Vous me sous-estimez grandement, ma chère. Vraiment, amiral? Que cela vous plaise ou pas, je suis en passe de régner sur tout l'univers. Et ce ne sont pas vos petits soldats ou vos quelques vaisseaux qui m'arrêteront. Si vous le dites. Félicitations, Kerrigan. Vous m'avez encore vaincu. Mais sachez que je serai toujours là à attendre que vous commettiez une erreur. Et lorsque cela arrivera... Kerrigan, je suis prêt à discuter les termes d'une reddition. Permettez à mes hommes de vivre et... Vous n'êtes pas en position de marchander quoi que ce soit, amiral. Et sachez que je ne fais jamais de prisonniers. En revanche, je vais vous faire une proposition. Vous allez gentiment faire demi-tour avec vos vaisseaux et mettre le cap sur la Terre. Je vous laisserai un peu d'avance avant de lancer mes couvées à votre poursuite. Je suis curieuse de voir combien de temps vous tiendrez avant de mourir. Ah.
victoire, Kerrigan. Jamais les Protoss n'oublieront votre trahison. Nous surveillerons toujours vos moindres faits et gestes. Une nouvelle fois, je m'élève victorieuse au-dessus du champ de bataille. Victorieuse, mais vigilante. Les forces du Directoire ont été anéanties, et l'Overmind qu'elle cherchait à contrôler n'est plus qu'une masse inerte gisant sur les décombres de chars. Mais les Protoss et les Terran sont toujours là. Il faut leur reconnaître une certaine bravoure. Peut-être sont-ils plus forts que je ne le croyais. Qu'importe. Le temps venu, Protoss et Terran devront subir ma loi. Car la fureur des Zergs ne connaît pas de frontières. Je suis la reine des nuées, et quiconque s'élève contre moi doit périr. Très chère Elena, la nouvelle de notre défaite doit vous être parvenue à présent. Les créatures que nous sommes venus dompter sont indomptables. Et les colonies que nous sommes venus reprendre sont bien plus fortes que nous le pensions. Quoi qu'on te dise, sache qu'Alexei n'est pas tombé au champ d'honneur. C'est moi qui l'ai tué. Mon orgueil l'a tué. Et aujourd'hui, cet orgueil est la cause de ma propre perte. Je vais bientôt disparaître, Elena. Dis à nos enfants que je les aime. Dis-leur que je suis mort pour que eux puissent vivre. Adieu.